Chaque année, pour le réveillon du nouvel an, ma mère, s'y prenant à la dernière minute, on terminait régulièrement la soirée devant la télé. 3, 2, 1, bonne année ! Mais cette année, hors de question de revivre ça, j'avais décidé de prendre les choses en main. Cette année, pour le réveillon du jour de l'an, j'avais décidé d'organiser une petite fête à la maison avec des copains du bahut. Le problème, c'est que ma mère avait une autre idée. C'est marrant parce que moi aussi, j'ai eu l'idée d'organiser une fête à la maison avec des copains du boulot. Ça va être super. Mais attends, il n'y a pas assez de place ici pour faire deux soirées. Ah mais t'as raison. Justement, on fera la tienne l'année prochaine. Pardon ? Non mais hors de question, on fait ma soirée cette année, ça se fait pas. Mais enfin ma chérie, tu me dis toujours que tes copains sont pas là pendant les fêtes. T'auras personne à ta soirée, hein ? Parce que tu crois qu'il y aura du monde à la tienne ? Tes collègues, ils sortent jamais. Quoi, ils vont venir en pantoufles? Super. Bon, écoute, hein, c'est soit on fait ma soirée, soit on fait ta soirée. Donc à un moment, faut choisir, hein. J'ai une idée. Celle qui aura le plus d'invités confirmés aura le droit de faire sa soirée. Ça me fait beaucoup de peine, ma chérie. Enfin, pour toi, hein. C'est vrai d'y croire autant. C'est triste. Bref, ça allait être la guerre. La guerre des invitations était déclarée. Maman appelait un à un tous ses collègues. Ce sera chez moi. Allô? Mais bon. Allô? Elle semblait avoir un peu de mal à les convaincre. Ça te dit de venir à ma soirée du nouvel an? De mon côté, je dois avouer que c'était pas mieux. Je vais en boîte avec mon grand frère. Jacqueline, je sais que t'as été malade à chaque fois que t'es venue manger à la maison. Mais viens, il y aura de la super musique. Il y aura une grosse ambiance. Il y aura trop de monde, quoi. Allez, viens, quoi. Allô? 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 Jacqueline? Entre ma mère et moi, c'était chacune pour sa peau. Tous les coups étaient permis. Léa ? Oui, dis-moi, Barbara va t'appeler pour sa soirée du 31. Quitte à empiéter sur le terrain de l'autre. Si vous venez à la soirée d'Isabelle Marteau, vous aurez des problèmes. Alors, je voulais te prévenir qu'il y aura de la tarte aux fraises à manger. Des gros problèmes. Ah oui, je sais que t'es allergique. Bah, c'est pour ça que j'ai préféré te prévenir. Non, je ne suis pas la fille d'Isabelle. Oh, c'est moche. Ah, le numéro est affiché. Aux grands mots, les grands remèdes. Barbe ! C'est toi qui as effacé tout mon répertoire ! À la guerre comme à la guerre, maman chérie. C'est quand, vous dites? Madame Fournier, top la soirée, j'adore. Soirée du 31, ça va être une grosse soirée. Bonjour, mademoiselle. Tenez. Ça va être super. Il va y avoir du chocolat chaud, un atelier coiffure pour les poupées et, grosse surprise, je fais venir un clown quand même, hein. On était le matin du 31. Le moment du bilan était venu. Celle qui aurait le moins de confirmations devrait annuler sa soirée. Alors, t'en as combien? J'en ai que 4. Oh, yes! J'ai gagné, j'en ai 5. Montre? Non mais attends, t'as pas le droit de me compter dans les invités. Donc t'en as 4. Tricheuse. Oui, bon bah, égalité. De toute façon, hein, vu le nombre de confirmations qu'on a, je vois qu'une seule solution. Hein. Quoi? Bah, c'est soit on annule tout, ou soit... Soit quoi? On fait nos deux soirées ensemble. J'allais devoir faire ma fête avec les copains de ma mère. Mais bon, tant que Jackie ne se mettait pas aux platines... Ça va être encore plus funky que dans une discothèque de boîte de nuit de club. Vous êtes chaud. Excusez-moi, Jackie, est-ce que vous pouvez mettre un petit peu de hip-hop, s'il vous plaît? Non mais Jackie, vas-y, fais péter les platines avec du bon rock'n'roll. Un peu de hip-hop, s'il vous plaît. Non, rock'n'roll. Rock. Hip-hop. Rock. Hip-hop. Rock. Rock. Stop les filles. Je vais passer les deux. Les deux. En même temps. Yeah. Écoute, 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 c'est pas mal. Jackie, t'es meilleure. Ta maman, on va. Faudrait peut-être penser à y aller maintenant, hein.
Oh bah non, encore une. Vous avez un transistor à la maison. Voilà.